Victoria. Tu pourrais arrêter de me suivre comme ça. Parle-moi. Tu as entendu. Parle-moi. Laisse-moi partir. Pas avant qu'on ait parlé. T'as pas entendu ce que je viens de dire? Je t'ai dit de me laisser partir. Non. Je crie si tu ne me lâches pas. Tu peux y aller. De toute façon, personne ne te croira. Je t'avais dit de ne plus me frapper. Ah, je suis désolé. Oh non, tu mens. Je suis désolé. Je ne vois pas ce qui te fait rire. Lâche-moi! Oui? Monsieur le Président, on doit vraiment partir, monsieur. Envoyez-moi Max. Oui, monsieur. Et moi, une coiffeuse et une maquilleuse. Bien, madame. Oh. On a un problème. Avec qui? Leur fille? Comment vous le savez? J'en étais sûr. Qu'est-ce qu'on doit faire? Sa mère doit être informée. Allez lui dire? Oui, monsieur. Madame Franklin, excusez-moi. Veuillez m'excuser, Madame Franklin. Nous sommes presque prêts. Parfait. C'est votre fille. Qu'est-ce qui se passe? Elle refuse de s'habiller, madame. Où est-elle? Au bout du couloir, madame. Je vais aller la voir. Non, laisse, chérie. Je m'en occupe. Monsieur? Madame? Je n'en ai pas pour longtemps. Allez, vas-y. Il faut vraiment t'habiller. Ferme-la. Je vous remercie, Yuma. Je vous en prie. Gail? Pourquoi il peut pas venir? Parce qu'il n'est pas invité. C'est mon petit copain. Tu ne le connais pas suffisamment, ma chérie. Je veux qu'il soit là. C'est non. Tu le trouves pas assez bien? Gail, ce garçon ne viendra pas à l'investiture. Maintenant, va t'habiller, tu nous perturbes, ton père et moi. J'en ai rien à faire de mon père. Je rêve. C'est ça ton problème? Non, le problème c'est que je veux que Léon soit là aujourd'hui. Oh, tu parles de Piki, le dealer de drogue. Ce ramassis de caniveau avec un casier judiciaire long comme le bras, nous ne l'autoriserons jamais à assister à cette célébration. Tu veux que je te dise? Oui. Dis-le-moi, s'il te plaît. Dis-le-moi. Maman? Mon enfant, ça ne te concerne pas. Je suis en train de parler à ta sœur, alors s'il te plaît, sors d'ici et va t'habiller. J'irai jamais. Oh, si, je te garantis que tu iras. Tu es odieuse. Et tu es la petite fille la plus gâtée et égoïste que j'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Tu ne me gâcheras pas ce moment. Est-ce que tu as bien entendu? Regarde-moi bien. Tu vas faire ce que je te dis ou je t'envoie dans le trou paumé le plus loin d'ici que je trouverai. Donc maintenant, tu vas aller t'habiller. Et tu vas mettre la robe bleue. Sûrement pas cette robe verte affreuse que tu as choisie. Tu me fais pas peur. Ce n'est pas du tout mon intention. Disons plutôt que c'est une menace, chérie, que je serais ravie d'exécuter. Tu ne sais pas ce que j'ai dû faire pour qu'on me prenne au sérieux en tant que femme du président. T'es ridicule. Dis-le encore une fois et je te fais passer la tête à travers le mur. Ah, et c'est vrai. Tu sais que je vais le faire. Je peux te jurer que si tu me mets dans l'embarras ce soir, ce sera la dernière fois qu'on verra ta jolie tête en public.
Alors c'est ici. Oui, madame, c'est ici. C'est pas à toi que je parle. Dehors. Madame? J'ai dit dehors. Oui, madame. Oh, non, non, non. Pas toi. Madame, désolée, je ne travaille pas ici. Pourtant, c'est l'impression que j'ai eue. Madame, attendez. Je suis venue pour aider mon père. Le majordome? Oui, le majordome. Est-ce que tu veux qu'il garde son poste? Comment ça? Madame... Non, 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 arrêtez, s'il vous plaît. Non, ne faites pas ça. Bon, tu me trouves pas sexy? Je vous en prie, arrêtez. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Non, arrêtez. Oh, allez, on va s'amuser un peu. Non, je dois m'en aller. Poussez-vous, s'il Laisse-moi vous plaît. Laisse-moi faire. Arrêtez. Je vous en prie, non. S'il vous plaît, arrêtez. Tu vas adorer. Je vous ai demandé d'arrêter. C'est non. Mademoiselle. Mademoiselle.